le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 27 avril, il est 18h30, enfin plus exactement, moi j'ai 18h29, j'ai donc une minute d'avance sur le planning et c'est l'heure de Radio Cécile. Donc, comme d'habitude, on va aborder un sujet particulier et aujourd'hui le sujet c'est comment et pourquoi, enfin c'est pas comment, plutôt c'est pourquoi est-ce que le métier de tapissier est-il un métier qui demande de la force physique, qui est un métier physique et pour laquelle il va falloir avoir un peu des muscles. Ou en tous les cas, ça va se faire avec le temps. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a déjà des gens qui se connectent. Bonjour, bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, je vais mettre un petit mot dans le chat et puis comme ça, vous allez pouvoir me répondre si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Je sais que certains sont en vacances en ce moment. Ici en Alsace, c'est aussi les vacances. Je crois que ça finit cette semaine. Hein. Je crois que c'est la deuxième semaine et du coup, voilà, c'est bientôt terminé. Ah mais non, 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 qu'est-ce que je dis? C'est la première semaine, là, c'est la semaine prochaine que ça se termine. Et voilà, du coup, certains, il y a peut-être moins de monde ce soir parce que, voilà, si vous êtes partis vous balader ou je ne sais pas quoi en voyage, du coup, vous ne serez peut-être pas tous là ce soir. Alors, je vais juste regarder. Donc, il y a Joël qui me dit bonjour. Cécile, salut Joël, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir ici. Je crois que j'ai déjà vu ce nom, du coup, à mon avis, tu as déjà une habitude des radios, Cécile. Et voilà, donc j'espère que le sujet ce soir vous convient. C'est donc, l'idée, c'est de aborder le côté physique de la tapisserie de siège. Parce que très souvent, quand on pense à tapissier de siège, on pense à déco, tapissier décorateur, tissu, aménagement, un truc qui a priori paraît très féminin, tout ça. Et souvent, on sous-estime l'aspect physique et difficile du métier de tapissier. Moi, ce n'est pas l'idée du tout de vous décourager pour faire de la tapisserie de siège, évidemment. Alors Joël, si tu trouves que c'est très intéressant, c'est tant mieux. Dis-moi un petit peu si tu as des questions à ce sujet, parce que peut-être que ça pourra alimenter encore un petit peu ce dont je vais parler. Mais c'est sûr que si vous avez, vous, des interrogations ou vous avez des remarques à faire sur le sujet et des conseils, eh ben, on est preneurs là dans le chat. Du coup, je mettrai en avant vos suggestions. OK? Par conséquent, le métier de tapissier, alors moi j'ai préparé des notes. Attendez, je recherche mes notes, comme ça je vais pouvoir vous en parler. Voilà. En fait, je pense que j'ai distingué trois choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Pour pallier à ce côté très physique de la tapisserie de siège. Alors déjà, je vous le disais, c'est vrai que c'est un métier qui souvent, j'ai remarqué ça souvent quand les gens viennent en stage, et puis les filles qu'on forme dans le cadre de Tori sont vraiment typiquement dans cette surprise quand elles commencent à faire de la tapisserie de siège, qu'il y a des étapes dans la réalisation des fauteuils qui demandent énormément de force physique. Et qui sont aussi brutales pour les mains notamment, et qui parfois peuvent assez décourager. Donc, il y a, et ça en fait, je pense que c'est notamment une des raisons pour lesquelles les femmes pendant longtemps n'ont pas pratiqué la tapisserie de siège et que on orientait plutôt les garçons vers ce métier et que dans les ateliers de garnissage, on voyait plutôt des hommes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut encore perdurer dans certains esprits, que ce n'est pas un métier pour femmes, parce qu'en fait, il faut porter les meubles. Donc, c'est sûr que quand on porte les meubles, parfois les fauteuils, c'est très lourd. Par exemple, un fauteuil crapaud, un fauteuil anglais, plus vous allez le dégarnir et vous allez le regarnir, et plus vous le garnissez de crins, de ressorts, de sangles et tout ça, et plus il va prendre du poids. Et à la fin, on peut se retrouver avec quelque chose qui peut peser 15, 20 kilos. Donc, c'est sûr qu'il faut apprendre à manipuler les sièges et avoir quand même conscience de ça, de cette partie très physique. Donc, il y a le poids des objets, mais il y a aussi
la réalisation technique des choses. Donc, le poids des objets, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin, certainement que certaines d'entre vous ont déjà vu ça. Moi, j'ai l'habitude de porter les sièges. Alors, attendez, je vais partager l'écran comme ça. Vous allez voir. Vous le savez, sur la chaîne YouTube, on voit des photos de moi comme ça, avec des fauteuils sur la tête. Alors, hop, je vais retirer, on n'a plus besoin de le laisser. Moi, j'ai l'habitude de porter les sièges sur la tête. En fait, j'ai... Bon, je ne sais pas, certains peut-être le savent, j'ai grandi au Cameroun, une partie de mon adolescence, et je vais encore régulièrement là-bas. J'ai de la famille qui est là-bas. Et en Afrique ou en Asie, en Inde, dans plein d'endroits dans le monde, en Amérique du Sud, il n'y a qu'en fait en Occident, je pense, hein, qu'on ne porte pas les choses sur la tête. Mais en tout cas, là-bas, j'ai pu voir des gens porter des tas de choses sur la tête et notamment des sièges. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à développer, à apprendre la tapisserie de sièges et à devoir transporter les choses, ça a été assez facile et naturel pour moi de me dire, je vais mettre le siège sur la tête. Et en fait, ça consiste à, pour les transporter, à mettre, en fait, on ne met pas le siège debout droit, on lui met l'assise ici sur la tête. Ça vous oblige en fait à rester bien droit, à garder votre dos bien droit, et vous mettez le dossier à l'arrière et vous tenez comme ceci par les bras. Et je vous assure que si vous faites cet effort de comprendre comment est-ce que vous pouvez mettre un siège sur la tête pour le transporter, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que de le porter à bout de bras comme ça, devant, ça va vous casser le dos, ça fatigue énormément. Donc en fait, c'est une histoire de position. Et les positions en tapisserie de siège sont particulièrement importantes. Et j'ai donc identifié trois choses qu'il faut appréhender, qu'il faut avoir conscience quand on fait de la tapisserie de siège, c'est la position de votre corps, donc je vais, par exemple, quand vous portez un siège, donc on va parler d'autres types de positions, l'aménagement de votre atelier et puis les outils. Donc ça, on va un petit peu détailler tout ça. Je regarde juste, donc bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, que j'avais déjà commencé à discuter. OK. Et je vois qu'il n'y a pas de questions particulières pour l'instant. Donc, juste ce que je peux faire, c'est, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais je voudrais quand même vous montrer comment est-ce que je fais pour basculer un siège sur... Regardez, on va voir si vous allez voir quelque chose. Voilà, je vais essayer de me mettre là, d'accord? Donc, en fait, vous prenez votre fauteuil. Attendez, je vais me déplacer, vous allez voir. Voilà, on prend le fauteuil comme ça, par les bras, d'accord? Et avec le pied, avec le genou, vous allez impulser un coup en même temps que vous le levez. Vous impulsez un coup vers le haut. Ça va vous aider à prendre de l'élan. Et là, dans l'élan, tchac, vous pouvez mettre le siège sur votre tête. C'est juste une histoire d'exercice. Et je vous assure que si vous apprenez à faire ça, vous allez rapidement vous rendre compte de l'intérêt de porter les sièges comme cela. Ça va être beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir porter des sièges très lourds, gros, et même vous pouvez passer les portes, c'est-à-dire que vous restez bien droit. Quand vous passez les portes, bah, vous baissez les genoux en gardant le dos bien droit. Vous pouvez descendre des escaliers. Vous pouvez faire énormément de choses que vous ne pouvez pas faire si vous portez un meuble, un fauteuil crapaud ou un fauteuil anglais comme ça, à bout de bras devant. Il vous faut quelqu'un avec vous. Alors que si vous êtes seul, je vous assure que si vous faites cette technique de donner un coup avec votre genou et votre pied en soulevant le siège, ça donne de l'élan, tchouk, il vient se poser sur votre tête. Et là, vous restez bien droit. Surtout, ne creusez pas le dos. Vous rentrez le coccyx pour que le dos soit le plus plat possible. Et vous verrez que c'est très facile de porter les sièges comme ceci. Donc, je vous invite à le faire. Et en fait, je peux même vous dire que je porte même des banquettes Louis XV, des banquettes Louis XVI, des banquettes qui ont deux, trois places comme ça.
ou des petites banquettes, des banquettes tonneaux, par exemple, c'est tout à fait possible de les porter comme ça. Parce que vous les prenez sur le côté, vous la mettez dans le sens de la longueur, comme ceci, devant vous, comme si vous aviez un bateau devant vous. Et vous pouvez tout à fait vous déplacer et faire plusieurs mètres comme ceci. Hein. C'est peut-être un peu plus compliqué avec un canapé, une banquette, mais en tout cas, le fauteuil, c'est extrêmement simple. Donc, je vous invite à essayer cette technique. Voilà. Donc, déjà, c'est physique parce qu'il faut porter les sièges. Ensuite, c'est physique parce qu'il y a des étapes dans la garniture de sièges, comme notamment le guindage. C'est certainement l'étape la plus difficile, celle qui demande le plus de force, pour laquelle il va falloir trouver un rythme et une méthode qui vous est adaptée et surtout des positions qui vous sont utiles. Alors, moi, j'ai pour coutume… Alors, Brigitte, elle dit « sauf s'il n'y a que la carcasse ». Oui, c'est beaucoup plus facile s'il n'y a que la carcasse. Ah oui, non, tu veux dire pour le mettre sur la tête. Mais en fait, s'il n'y a que la carcasse, tu peux aussi le porter comme ça, tu vois, et tu mets ta tête dans un peu dans le trou comme ça. Mais c'est quand même plus facile si le meuble est encombrant, comme par exemple sur un fauteuil anglais. C'est plus facile de le porter comme ça en hauteur. Ça te fatigue beaucoup moins le dos que si tu le portes à bout de bras devant toi. Voilà. Donc, pour ce qui est du guindage, il faut bien comprendre que le guindage, moi, je pense qu'effectivement, il y a un moment très précis dans lequel il y a de la force à donner, dans lequel il va vraiment falloir obliger vos muscles à faire le job et à venir serrer les ressorts. Mais en fait, la très grande majorité du temps sur le guindage, vous pouvez utiliser le poids de votre corps pour les mettre sous tension. Donc ça, je l'explique très, très bien dans les vidéos et dans les stages et tout ça. C'est vraiment ce que j'enseigne, un truc très important que j'enseigne aux filles quand je les forme. En fait, moi, je l'ai trouvé toute seule hein, parce que personne ne m'avait jamais appris ça. Je me suis rendu compte, en fait, que si j'utilisais le poids de mon corps en contraignant les ressorts à avancer vers l'avant, ça me permettait de les descendre à la mesure qu'il fallait descendre et pour obtenir la tension que je recherchais. Donc, le corps, encore une fois, est un outil extrêmement intéressant sur lequel il faut vous appuyer. Et puis, il y a une autre étape. Je suis en train de réfléchir à quel moment vous allez vraiment, votre corps va être… Parce qu'en fait, le corps, quand on fait de la tapisserie de siège, il est sollicité pour des actions de force, pour des actions de précision. C'est-à-dire que là, vous allez devoir vous mettre très près pour faire une couture, des choses comme ça. Et du coup, la position que vous avez va avoir un impact direct sur la fatigue que vous allez obtenir. C'est pourquoi, dans la liste que j'ai mise, c'est qu'il y a la position du corps et la position du corps, elle va être facilitée par l'aménagement de votre atelier. Par exemple, ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, une vidéo sur le site ou sur la chaîne dans laquelle on parle de l'aménagement de l'atelier. C'est notamment que vous pouvez utiliser des tables qui sont… qui montent et qui descendent, comme par exemple, très souvent, tout le monde utilise chez les tapissiers des lits médicalisés avec un mécanisme, donc soit mécanique, c'est-à-dire il y a une pédale, ça monte, ça descend, ou alors c'est électrique, ça dépend, sur lequel vous allez avoir mis une grande planche et sur lequel vous allez pouvoir mettre votre meuble. Et quand vous allez avoir, en fonction des étapes que vous êtes en train de faire, vous allez monter, descendre le siège et du coup, vous allez pouvoir avoir le dos droit, la tête dans l'alignement. Si vous êtes trop penché en avant, vous allez vous faire mal au cervical. Donc, les outils et l'aménagement de l'atelier participent en fait à la facilité du travail physique de la tapisserie de siège. Et en fait, je voulais juste aussi vous raconter un truc, c'est que ça muscle énormément de faire la tapisserie de siège. C'est-à-dire que quand vous faites du guindage ou de la couture, vous faites du rabattage, c'est-à-dire le rabattage, c'est la partie où,
on va envelopper le crin à l'intérieur de la toile d'embourrure. On va demander, alors pour de la tension, quand on met les houseaux pour le rabattage, ben c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est que effectivement, quand tu mets les houseaux, ouais, il faut que vraiment tu serres comme ça le crin avec ta main, puis l'autre main, elle vient fixer avec les houseaux. En fait, tout ça, ça muscle. Okay. Et ça muscle à tel point que si vous avez, je ne sais pas depuis quand vous faites de la tapisserie de siège pour celles qui en font, mais vous allez voir que vous allez avoir ici les muscles qui sont là, ici, qui vont se développer et que votre carrure va augmenter à force de faire de la tapisserie de siège jusqu'à avoir les muscles suffisants pour pouvoir faire la tapisserie, les rénovations des fauteuils de manière facile et plus simple. C'est vraiment comme un sport, en fait. Vous allez vous muscler. Mais en fait, moi, j'ai vraiment obtenu des gros, gros muscles ici, là, des gros biceps très durs parce que je serre fort sur les trucs. Et vous voyez, j'ai des muscles qui se sont développés à cet endroit-là, ainsi que dans les mains. Alors, les filles, quand elles viennent en stage et qu'elles commencent la formation Tori, par exemple, au début, évidemment, elles sont novices. Et du coup, bah, au début, c'est des courbatures qu'on obtient dans les mains, hein, vraiment. Et à force de travailler, bah, ces courbatures se transforment en muscles. Mais on peut faciliter le travail avec des outils et un aménagement adapté. Donc, pour ce qui est des outils, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, pour les outils, j'avais... Alors, déjà, pour les outils, ouais, c'est vrai. J'avais une vidéo... Attendez, je vais juste rechercher la page que je viens de vous montrer, en fait. Cette vidéo ici, là, les outils, vous pouvez aller la voir. Donc, je veux bien vous mettre le lien. Je vais vous remettre le lien de cette vidéo. Attendez que je ne me trompe pas. C'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. Hop, partagez. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et comme ça, vous allez pouvoir... Allez, regardez cette vidéo dans laquelle on parle du détail des outils. OK ? Donc ça, je vous invite à aller regarder ça. Mais parmi les outils, en fait, que je n'ai pas mis ici dans cette vidéo, il y a des pinces que vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, pour serrer les nœuds du guindage. Vous pouvez utiliser, je vais vous montrer, la pince crocodile. Voilà, cette pince-là. Ah mince, attendez, il faut que je vous la mette dans le flux. Voilà, elle est là. Voilà, la pince crocodile qui est ici. Vous pouvez utiliser ça. Celle-ci, là. La multiprise, en fait, ou pince crocodile. Et puis, vous pouvez aussi utiliser... Alors ça, c'est Sylvie. C'est une fille qui est dans la formation, une dame qui est dans la formation de Tori, qui utilise ces outils-là pour faire certaines actions dans la tapisserie de siège. Et parce qu'en fait, ces outils démultiplient, c'est-à-dire que quand vous appuyez comme ça, ça multiplie par 7 ou 8 la capacité de serrage des choses. Donc voilà, il faut trouver des outils qui vont permettre de développer en fait votre force et de multiplier votre force. Alors, je vais juste voir ce que me dit... Alors, Joël, pour chez moi, j'ai acheté un lit médicalisé, mais dans l'atelier où je travaille, une simple table pour l'instant, et c'est très difficile. Comment faire sans pour moins se fatiguer? Alors, bah, déjà, moi, je n'ai pas de lit médicalisé, je n'ai pas de table qui monte et qui descend, parce que, en fait, je n'ai pas encore vraiment trouvé ça. Et voilà, mais je pense que dès que c'est possible de trouver ça, je vais m'installer ça. Mais moi, j'ai mis des roulettes sur cette table que j'ai, ce qui me permet de la déplacer facilement et de pouvoir tourner autour de la table sans avoir à déplacer le meuble. Donc ça, c'est une des premières choses qui peut être intéressante. Vous pouvez aussi avoir des tréteaux, parce que les tréteaux, alors des tréteaux de tapissier, c'est vraiment des tréteaux très spécifiques. C'est des tréteaux dans lesquels il y a des gouttières. Vous allez avoir un grand tréteau et dans lequel, il faudrait que je vous fasse une fois des photos de mes tréteaux de tapissier. Donc, sur le dessus, d'abord, ils sont très larges. Les miens, ils doivent faire 1,20 m
de long, en fait, afin de pouvoir y mettre une banquette, vraiment. Donc, j'ai une paire de tréteaux qui ne font pas comme pour une table 70 cm de large, mais 1,20 m. Et ça vous permet, en fait, de mettre les meubles à différentes hauteurs, parce que soit vous les mettez dans les goulottes, les pieds dans les goulottes, soit vous mettez la carcasse à cheval sur les tréteaux, soit vous pouvez les mettre l'arrière comme ça et l'avant des pieds dans la goulotte, donc un peu penché. Ça permet vraiment de mettre les sièges dans plein de positions différentes. Mais pour ça, il faut des tréteaux qui soient extrêmement stables. Donc, il faut qu'ils soient grands et qu'ils aient des grands pieds. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce qui peut, tu pourrais utiliser d'autre? Alors, après, moi, je travaille selon les cas. Je travaille sur la table ou sur un tabouret. Un tabouret de tapissier qui fait à peu près 30 cm de hauteur. Voilà. Donc, je ne vois pas trop d'autres choses à te dire. Et Joël, et alors il y a Adeline qui dit un siège sur roulette qui se lève et se baisse. Oui, alors effectivement, le siège, merci Adeline de parler de ça, parce que effectivement, avec la table médicalisée, vous pouvez aussi avoir un fauteuil qui va être sur roulette et qui va vraiment beaucoup, très très bien se déplacer dans l'espace et qui va vous permettre de vous mettre dans une position adaptée à la hauteur du siège et de la table que vous avez. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, Adine. Un tabouret comme ça, c'est effectivement intéressant. Et alors, Brigitte, elle me demandait pour l'attention quand on met les... Ah oui, non, c'est bon, ça, on en a déjà parlé. OK, voilà. Donc, voilà, donc cette histoire de force. Du coup, en fait... l'objectif de ce Radio Cécile, c'était vraiment de mettre l'accent sur le fait que il ne faut pas croire que c'est une activité, si vous êtes novice et que vous n'en avez jamais fait, que c'est juste une activité de déco ou de choses assez légères physiquement. C'est au contraire, la tapisserie, quelque chose qui va vous demander d'utiliser tout votre corps. Et ça qui est assez intéressant, en fait, c'est que vous allez avoir une activité, par exemple, différemment de la céramique, où vous allez travailler sur un petit objet, vous allez faire un bol et du coup, ça va travailler le bout de vos mains, tout ça. Là, vous avez vraiment un contact physique avec le siège qui vous oblige à développer des muscles sur tout l'ensemble du corps. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est très, très sous-estimé en général et même méconnu des gens qui envisagent de faire de la tapisserie de siège. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que vous pouvez aussi avoir dans votre atelier, évidemment, en plus des outils spécifiques, une trousse de secours. Parce qu'en fait, on se blesse beaucoup quand on fait de la tapisserie de siège. On se coupe, on casse les ongles, on fait des gerçures. Vous voyez ici, en fait, avant d'avoir des gerçures, après les gerçures, on obtient de la corne. Voilà, moi ici, là, j'ai obtenu de la corne. J'ai des endroits où mes doigts sont vraiment, ils sont calleux, voilà, ici. Parce que le travail du crin, le crin est assez sec en général. Donc, déjà, ça sèche la peau. Et les cordes et les ficelles à piquer, quand vous serrez, vous faites les points de piquage et que vous serrez les points, ça vient ici, vous cisaillez la peau. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est exactement ça. Hein. Ça vient vraiment couper. Et au début, vous allez avoir besoin de pansements pour vous protéger les mains. Moi, j'utilise aussi une poignée de cuir. C'est-à-dire que c'est un morceau de cuir que j'ai fait et dans lequel j'ai mis deux trous. Un premier trou pour mettre le pouce. Le tissu tourne autour, enfin le cuir tourne autour. Et là, je remets le pouce dans un deuxième trou. Et du coup, toute la partie ici de ma main est protégée par une belle épaisseur de cuir. Donc ça, c'est assez intéressant, un outil comme ça pour vous protéger. Mais cela dit, vous allez quand même vous faire les muscles et vous allez voir que votre carrure va se développer. Alors, je regarde, il y a encore des commentaires. Brigitte, moi, je plie un drap en quatre que je glisse. Aïe, 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 ça va trop vite le chat. Alors, en plus, je suis bête parce que j'ai oublié de prendre mes lunettes. Du coup, je plie. Alors, attends, on va montrer ton commentaire. Est-ce que ça s'affiche? Je ne sais pas si ça s'affiche dans le flux.
Moi, je vois, je le vois pas dans le flux, mais vous me direz si vous, vous voyez le commentaire de Brigitte. Moi, je plie un drap que je glisse sous les pieds de mon fauteuil pour pouvoir le tourner tout plus facilement sans avoir à le porter. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu te permets, ça, il va glisser facilement. Ça, c'est vrai que voilà, des bonnes astuces. Quand il est monté sur la table, ok. Et Joël, elle dit aujourd'hui, dégarnissage d'un cabriolet désagrafe, très difficile à enlever. Quel outil peut me faciliter le travail? J'ai eu une fracture du poignet dernièrement et moins de force et des séquelles. Alors, bah déjà, Joël, il y a le tir à graphe. Est-ce que tu n'as pas utilisé le tir à graphe? Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va aller sur le site de Art Tapisserie et on va aller voir ce que c'est qu'un tir à graphe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. OK. Alors, l'outillage du tapissier, est-ce que ça charge? Patience. Yep. Alors, dégarnissage. Non, c'est pas là. Je crois que j'ai déjà aperçu. Ah, voilà, ici. Donc, déjà, les tirs à graphe, il y a deux sortes de tirs à graphe de manière générale. Voilà, ils sont là. Donc, ils s'appellent arrache à graphe. Enfin, moi, j'appelle ça un tir à graphe. J'ai toujours appelé ça comme ça. Voilà, donc il y a deux modèles que moi j'ai. J'ai celui-ci et celui-ci. Alors, les deux sont intéressants. Celui-ci, en fait, il est très pointu et très fin et il permet de passer sous la graffe. Et tu peux, alors dans les deux cas, hein, sur les deux, tu peux taper avec ton maillet sur le manche pour que ça rentre. C'est un peu comme un pied de biche, sauf que c'est tout fin parce que le pied de biche, lui, il est beaucoup plus épais. Alors, je vois que Vergès Blanchard en a un autre. Alors, après, je ne sais pas, c'est une histoire de tarif où il est un petit peu moins cher, mais il a l'air quand même pas mal fin. Voilà, la différence, c'est que le manche est en plastique ou en bois. Ça, c'est à vous de choisir. Pour les autres, là, moi, je ne les ai jamais utilisés. Je trouve que celui-ci, il est un peu gros. Donc, je ne suis pas sûre que ça marche très, très bien pour enlever les sagrafes. Mais par contre, celui-ci, on se demande souvent comment il fonctionne. Donc, celui-ci, en fait, tu glisses la graffe là, ici, entre les deux fentes que tu as là. Alors, attends, on va essayer d'y aller. Comme ça, tu vas le voir un peu mieux. Hop, on va l'agrandir. Voilà, donc ici, tu rentres ici la graffe et après, tu le tournes. Tu le tournes et ça fait levier. L'autre partie va faire levier et ça soulève la graffe. Alors, en général, celui-ci, ce modèle-là, il permet de ne pas casser la graffe parce que l'autre modèle, il casse la graffe et là, il faut une pince pour enlever la graffe qui reste. Voilà, ce modèle-là, il casse la graffe. Donc, voilà, c'est un peu embêtant par moment, hein, finalement, d'avoir la graffe cassée. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Tu as le premier. Eh bien, voilà, peut-être. Alors, en fait, le truc aussi, c'est que le deuxième, il est, tu vois, comme il est un peu large ici, parfois, il est plus délicat à utiliser pour ne pas abîmer les feuillures et du coup les moulures du siège. Donc, ça dépend un petit peu de où se trouve dans un dossier. Par exemple, dans la feuillure d'un dossier, ça va être un peu plus délicat. Mais sur un plan complet, celui-ci est vraiment très, très utile. Et pareil, tu tapes dessus avec le maillet et après, tu le tournes et il va faire levier. Et qu'est-ce que je peux dire à propos du tir à graphe? Qu'est-ce que c'est qui m'est venu à l'esprit? J'arrive plus à me rappeler. Je ne me souviens plus. Le tir à graphe. Oui, en fait, oui, je sais ce que je voulais vous dire. C'est que de toute façon, les agrafes, c'est casse-couille. C'est carrément casse-couille à enlever. Donc, le mieux, c'est de ne pas en mettre. Comme ça, et ben, si tu n'en mets pas, le tapissier qui va dégainer ton travail, il aura la joie de ne pas s'emmerder avec les agrafes. Et peut-être qu'un jour, les gens n'utiliseront plus d'agrafes dans les fauteuils. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile à dégarnir. Voilà, c'est ça que je peux dire. Donc, moi, je n'utilise plus d'agrafes, en fait, parce qu'un jour, je me suis dit, mais ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et du coup, je n'utilise plus les agrafes. Ou alors, vraiment très rarement, j'utilise les agrafes quand des feuillures sont vraiment extrêmement petites sur des sièges très, très contemporains, très, très mal, pas de très bonne facture, avec des feuillures très fines. Ou alors que le bois est extrêmement abîmé par le temps, il y a eu beaucoup
de semences qui ont été posées, ou alors c'est un bois qui est en acajou ou en palissandre, et du coup, c'est un bois très fibreux, très sec. Quand tu mets des semences, ça l'éclate. Donc là, OK, on met des agrafes. Mais je ne vais pas faire tout le siège, forcément. Je vais faire une partie. Voilà. Donc ça, c'est ma manière de faire. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur le sujet de la tapisserie de siège. Et de, en tout cas, voilà, à retenir les positions. Faites très attention aux positions parce qu'en fait, il y a un autre truc aussi qu'on peut dire, c'est on sort du champ du côté physique, c'est porter un casque. Même si vous n'utilisez pas de compresseur, quand vous tapez avec le maillet sur le manche des marteaux, des tiragraphes ou des ciseaux à dégarnir, ça fait un bruit et une sonorité telle que ça vous abîme les oreilles. Donc, portez un casque, c'est vraiment important. Voilà, donc la position, essayez de préserver vos forces et surtout, bah, ayez conscience que c'est un métier qui est physique et très fatigant. OK ? Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ? Dites-moi. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses. Non, je ne vois plus, je ne vois pas d'autres questions. Voilà, j'espère que ça a répondu quand même à des interrogations que vous pourriez avoir. Si vous en avez encore quelques questions, ben, n'hésitez surtout pas à me les dire là tout de suite, parce qu'après, ce sera trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bah, du coup, je vais en profiter pour vous dire un truc, c'est que on organise bah, deux choses en fait. Il y a eu un concours qui a été proposé là, qui s'est terminé lundi dernier. Je vais annoncer les gagnants. Alors, en fait, je devais le faire dans la foulée, je vais le faire mardi, mais en fait, c'est un vrai casse-tête parce que j'ai vachement du mal à départager les gagnants parce qu'en fait, bah, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un tel devrait plus gagner que l'autre. Alors du coup, ça a été très compliqué. Et bon, du coup, j'ai décidé de faire un truc un peu intermédiaire. Voilà. Donc, on en parle. Je vais faire un petit live à ce sujet samedi matin et je vais vous annoncer qui a gagné pour les trois lots du séminaire, de la formation ou du rendez-vous avec Hélène et moi pour votre projet, pour affiner votre projet professionnel. Donc ça, on va faire ça samedi matin en direct. Ça va se passer dans le groupe « Je rénove mes fauteuils et j'adore ça » sur Facebook. Donc ça, je me mettrai en connexion directe dans le groupe. Donc si vous n'y êtes pas, bah, allez tout de suite demander votre entrée dans le groupe « Je rénove mes fauteuils et j'adore ça ». Et surtout, répondez aux questions. Parce que si vous ne répondez pas aux questions, il y a trois questions. Si vous ne répondez pas sincèrement aux questions, vous ne serez pas admis dans le groupe. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il reste des places pour le séminaire du mois de mai. On serait très heureux de vous accueillir. Je vous invite à m'envoyer des messages privés sur Facebook ou un mail à cécile@monbeaufauteuil.com. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de savoir quelque chose, si vous avez besoin d'une aide quelconque, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à me téléphoner. Je suis très gentille et je trouve toujours une solution à un problème que vous pouvez avoir pour venir à ce séminaire. Ok ? Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous annonce que à partir de là, cette semaine, si vous prenez une place, vous pouvez venir avec la personne de votre choix gratuitement. Donc, vous venez à deux pour le prix d'un. Voilà, je vous annonce ça. Je vais mettre en place ça sur le bon de commande. Donc, allez voir le séminaire. On va passer un excellent moment. On va travailler de la matière. On va faire un carré de crin. Donc, pour celles qui n'ont jamais fait de tapisserie de siège, ben, ça sera une pure découverte. Je vous remets le lien. Alors, attendez, je vais vous remettre le lien de la page du séminaire, ici, dans le chat. Et tout le monde m'a dit merci. Ben, c'est super gentil. Merci à vous aussi. Et voilà. Et donc, on serait ravis de vous accueillir. Plus on est de fous et plus on va s'amuser, mieux ce sera. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, une chose qu'il faut que je vous précise à propos du séminaire, c'est que en fait, il commence vendredi à 9h. Mais vous pouvez dormir sur place le jeudi soir. C'est compris
dans le prix. Hein. Le logement se fait à partir du jeudi soir. Donc, ne pensez pas que vous allez devoir trouver un autre logement ou vous levez à 4 heures du matin pour arriver à 9 heures, OK, ou à 8 heures au petit déjeuner. Vous pouvez dormir sur place le jeudi soir et on va faire des tartes flambées. Voilà. Donc, j'ai aussi, je vais en reparler sur Instagram et sur les réseaux. Donc, voilà, pas de panique, on en reparle. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Je vous embrasse. C'était très sympa de vous voir ce soir. Bon, enfin, je ne vous ai pas vu, mais j'ai discuté avec vous. Celles qui m'ont un peu chatté dans le commentaire. Et puis, ben, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur les réseaux. Bisous. Salut.